genre steep avec des vélos, là. Ouais, Desert Edition, là. Ça avait l'air funky, là. Mais steep, je trouvais que il y avait de quoi, tu sais, à améliorer, genre le menu, c'était bizarre. Ouais. Je sais pas, il y a des trucs que j'aimais pas trop. Vous entendez-tu bien mon friend, by the way? Je vais être le hater, là. Une dizaine de jeux. Ouais, il y a une couple de Québécois qui ont eu des clés de Ubisoft. J'ai vu ça dans leur titre. Ouais, là, t'as bien, good. Ça, on va voir plein de jeux de multiplate en priorité. Puis les exclusifs Microsoft, je vais les avoir sur PC. Fait que. Yo, moi, je veux les Game Pass de Price Drop, là. Je download ça live. Puis ouais. S'ils drop un petit jeu co-op, là, on va essayer ça. Un petit jeu indie co-op, man. Hein? Day One là, aujourd'hui, là. Whatever. En attendant la conférence de Square. Ah, c'est des. Ok, Ubisoft Ambassador. Ah, ok, ok. Y avait-tu Phoenix Rising de Phenomenon? J'imagine que oui. And like you, this is a moment I always look forward to. Mon stream y a gelé. I love seeing the new games, crossing my fingers for my favorites to return, hoping for a few surprises. Most of all, though, I love seeing everyone bon. Around the world come together to celebrate what games mean to all. Ça, c'est pour show off, là. On va mettre Todd, vu qu'on a acheté Bethesda. C'est notre show, puis on met le double de Bethesda. Thank you for the support you give us and OK, les jeux qui fêtent avec la conférence, OK. Xbox is turning to bon là, il fait son blabla habituel. Everyone around the world. Bethesda. Je veux même pas de troll comme notre jeu marque encore. Je veux ouais, Fallout 76 c'est comme oh non, pas encore est-ce when you step into a new world and can make it your own. Je veux pas le troll son speech comme le Yves Guillemot, genre We do this for our people. C'est le speech français. Ouais, Rainbow Six, peut-être. Hein. Ah, c'est nice. Mais j'espère qu'avec Siege, Steve donne un package qui a des opérateurs. Ça devrait être free-to-play, le jeu standard. Ouais, ils vont commencer Starfield, gang. Et on n'a jamais vu de gameplay, hein, de ça, genre de voir. Non. En espérant que ça fasse pas comme No Man's Sky, là. Mais Square, Miss, ça va être genre Life is Strange Remaster, surtout. C'est Dios Montréal. Eidos Montréal, voyons. Dios. Fait que genre Deus Ex, pis. C'est quoi que. Babylon, il y a un jeu qui a annoncé Babylon 5, je pense, qu'ils vont en parler. Right now, c'est ça le. Ça va être. Ceux qui ont. Ils ont dit en avance. Ils ont omis Fallout 76, tu sais, ils ont omis de dire ça. Ouais, ça existe pas, ce jeu-là. Ah, t'as-tu vu, ils ont enlevé le mode Battle Royale de ce Fallout 76? T'imagines dire, je veux jouer à Fallout 76, pis là, sur tous les Battle Royale qui existent, je vais jouer à ce Battle Royale-là. T'imagines, man. C'est des jeux qui s'en ressemblent, hein. Part of our family. What you found. Ben moi, je suis pas quelqu'un que joue. J'ai pas joué à Fallout. J'en ai plein de Fallout pis d'Elder Scrolls, mais j'ai comme pas vraiment joué. Fait que c'est pas moi qui fais la plus hype de Starfield, là, mais. Mais je pense pas que ça va être comme Fallout. Ah ouais, Miss, tout le monde était déçu dans mon chat. On faisait juste dire de la merde tout le long. Y'avait pas Goli- ouais, Beyond Goli Niveau 2. Beyond, je sais pas pourquoi ils en ont pas parlé. Y'a pas le monde voulait voir Rayman. Pis le monde, il voulait voir. Tu sais, y'avait Prince of Persia Remake, Sands of Time Remake, qui ont même pas montré. Ben, on a vu les lapins, là. Ouais, ils ont montré le. La seule affaire vraiment chill, c'était genre Mario pis les lapins crétins, le deuxième. La suite de Kingdom Battle, là. Est-ce que ça me gosse quand ils montrent juste des foutus trailers cinématiques? Ouais, genre, ça comme... veut rien dire, genre. Who cares, genre, montre-nous du fucking gameplay, man. Yo, c'est No Man's Sky 2. Ah ouais, c'est ça, man, wow. Ouais, le seul, ouais, c'est ça. Tu veux? Oh, wow, Game wow, Pass. Ça a l'air tellement fun, le jeu, man. Mais on savait que c'est Game Pass. Les exclusifs, c'est tout Game Pass, man. Yo, c'est novembre de... Je reste...
novembre 2022, mais c'est quand même insane le gros, man. Day one avec Game Pass. How? Un gros exclusif. Xbox Cloud, hein? Ouais, ils vont parler de leur application, là, c'est clair. Welcome to the Xbox and Bethesda Game Showcase. I am so excited and proud to be here today celebrating games. Because although it's been an incredibly tough year, I am grateful that games have been such an important source of joy and happiness. C'est quoi qu'elle a pas dit son studio, hein? We are committed to forging the next era of gaming. Conjuring worlds never before possible. Le blabla talk des affaires qui veulent rien dire là. It's been a hard year and connect and blah blah blah. We are very excited to announce that we have a lot more stuff coming out. Ah ouais, Ubisoft, on est vraiment excité de vous dire qu'il y a d'autres affaires qui s'en viennent. C'est comme ça veut rien dire, tabarnak. Hey big, Bethesda ils ont join Xbox. Hey man, wow! Le gars il l'apprend aujourd'hui, man! Every single console title you'll see today is optimized for Xbox Series X and S. Ouais, c'est le 11 novembre 2022. Day one, ça a Game Pass. Fallout 79 mobile exclusive. We get to work with the best studios on Earth. Fallout 69, baby. Is something truly riveting. The latest entry in a haunting and evocative franchise created by GSC Game World. Stalker 2. Stalker 2, OK. Xbox Series consoles and PC. This Stalker c'est quand même aimé là, mais moi je sais pas, je l'ai Stalker. And ray tracing. Mais je sais quoi? Jamais joué à ça. Pas FPS en tout cas. OK, on l'entend la conférence, on t'entend par le je qu'il y a la TV. L'attendez peut-être en double à cause de son micro, parce que. Chiotam. Va pas être dissipé. Готово. Ну и пошли они нахрен. Смотри, тролль, pas fait l'autre service. Спасибо тебе. Ты многим сталкером. Ouais, on dirait que c'est comme un peu métro Stalker. Ah, c'est ça, hein, de ce que je voyais, ça ressemble un peu. Малюй картину маслом. C'est comme Dark, c'est ça, le scavenge hunt, il doit faire le même là. Le supply. Stalker. Ah, ok, t'as regardé aussi en vrai sur YouTube. En tout cas, ça a l'air beau, hein, bah, ray tracing, c'est tous les flags beaux. Вот поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Не хочу пулю поймать. Ну не знаю. On est en retard, ouais, ben tu en es en retard à cause il y a du. Ben moi je suis en retard dans mon stream parce que c'est sûrement à cause de l'application officielle Twitch. Ouais, ça je t'ai dit, faut peut-être tu mettre le même, mais sur YouTube, là. Peut-être que l'application officielle de YouTube t'aurais moins de retard. Là. Tu veux faire ça? Ouais, je vais essayer. Ah, mais non! Вот ты говоришь, а я прям вижу красоту эту. Не первый год в зоне, вроде бы примелькалось уже, а каждый день удивляет. Fuck Prime Video. Зона надо есть. 4 секунды, YouTube, особо, если нам англо стрим, j'imagine, que... Normal. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. О, un petit peu de délai. Ball Shark. C'est quoi le channel qui le diffuse? C'est Xbox? Écrit E3, non, c'est E3 2021, sûrement. Ah, il y a IGN, je pense. Ah, mais après, c'est l'IGN. Mais IGN, ils vont parler, sûrement. Non, ils parlent pas pendant les conférences. Je pense. Mais écrit juste E3 2021, c'est ça le channel Twitch. Elle a mis le lien dans mon chat. Ouais, mais je suis sur la TV, Smart TV, je peux pas vraiment. Xbox and Bethesda E3 2021 Showcase Stream. Ben, j'ai pogné celui d'IGN. Может вам кучёны? Профессура. Они вам лабораторию найдут. Chris, ça a l'air quand même nice, moi, je trouve, ce jeu-là. Les gens fucké dans l'avance, ok?
Окей, же Натан и Чарген. Ouais, mais il était aimé, c'est aimé ça comme FPS, Stalker. Ok. C'est pas chaud. Ouais, c'est pas. C'est pas ouais. Ben, ça dépend, c'est sûr qu'ils n'aiment pas les FPS. Moi, je veux des cute waifu, là. Je veux Tales of Arise Day 1 Game Pass, ça, je vois. C'est vrai. On le mouchelsa. Alors, en fait, pour flatter mon chat. Je care pas tant que ça. Ça c'est comme ça fait très métro, je trouve. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Я с Бендо. Я не думал, как обойтись без его смерти. Она не могла. Ой, пальпаж, не пальпаж, а фэн, вот это. Мне шиди. Зато теперь посмотри на нее. Нет, Скиф, я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь, новую жизнь. А всякий раунд. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать ее. Всегда. Ma chatte t'as écrasé, t'as à côté de mourir, puis je flatte la bédane. Allez, oui. Ah, mais rouge ménage. Bon. Похоже, пора. C'est parce que c'est rendu une espèce de montée des promos, mais je trouve la vidéo assez plate. Ouais, et c'est. Ah, c'était pas top la vidéo, effectivement. Là. Montrez juste du gameplay au pire, genre. Je sais pas si c'est hot pour le monde qui aime bien ça. Là. Game Pass, of course. Day one. Donc, je vais l'essayer, man. Again, ben, Game Pass, Day 1. Game Pass, ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire avec Game Pass, tu sais, même si ça t'intéresse pas trop, si t'as Game Pass, why not? Ah, ah ça, pour 80$, c'est sûr que j'aurais fait whatever. Pour gratis. On a c'est Back 4 Blood. Back 4 Blood, c'est comme Left 4 Dead, là. Bon, mais là, faudrait juste qu'ils disent Game Pass, man. Non, ils l'ont dit, man, c'est déjà confirmed. Ah ouais, Day 1? Game Pass Day 1, ouais. Ah, c'est nice. Ben, en tout cas, c'était un leak, là, je sais pas si c'est vrai, mais... C'est les créateurs de Left 4 Dead, fait que ça y ressemble pas juste, c'est vraiment les mêmes. Exact. Moi, j'aime bien ça, tuer des zombies, là, genre... Wow, t'as pas de moins de niaisage, tu vois le jeu, ok, avec tes chums, t'as un peu plus de personnalité, pis... Ok, je vois les guns, je vois un peu plus le style de gameplay. God, I love Mondays. Elle aime les lundis, Kadine. Horde de zombies, bang! Pac-Made, Cloud! PVP, ah oh ouais? Ah ben, Human vs Zombie, ok. C'est le timing. Introducing Swarm Mode PVP. Ok, tu peux être un zombie là, yo, non? Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ben ça, c'est nouveau, je pense pas qu'il y avait ça dans Left 4 Dead. Non, je pense pas. Faut qu'il fasse Introducing ce mode-là, sûrement qu'il l'avait pas, là. Day 1, bro. Day 1, Game Pass. Ah, ça. On pourrait jouer à plus... Ben, moi, quand la date, je sais pas si c'est quelqu'un d'autre. Ouais, c'était en octobre, je pense. 12 octobre. Ah, ça fait du sens là, d'habitude, ah. Ces trucs-là, ça sort pour l'Halloween. Play it day one. Il faudrait qu'ils commencent vraiment avec ça, au moins, parce qu'ils savent, là, Xbox. Bon, c'est quoi ce jeu-là? Console exclusif. Un exclusif console, fait que RIP, moi, je pourrais pas y jouer. Just Cause. Ah, ouais? Ouais, je pense. Xbox Game Studios? As-tu acheté le développeur? Là? Ah oui, Avalanche Studios, ça c'est Just Cause. Hein. Ben, le dernier Just Cause, il était mort, là, mais. Achetez-moi une excuse pour acheter la console, ouais. T'es mieux PC pour Xbox, là, en général. Mais ça va pas être sur leur truc de streaming, ça? Mais ils ont dit console exclusif.
Franchement, ça a l'air Just Cause. Hein. C'est différent des autres, mais... Tu sais, tu vois un trailer de même, c'est comme... What's the point, genre? Tu peux voir des sacs à dos avec une petite tonne, là? Fucking shit, bro. Ah non, Contraband! What is that? Ok, c'est même pas... C'est même pas Just Cause. Contraband. Ah, ok, j'étais comme moi, tu l'as à l'avance. Ouais, au début, j'étais en retard, puis là, j'étais en avance. Ils demandent à Game Pass, mais ils ont dit que c'était exclusif à juste la console. Sea of Thieves. Moi, PC, j'ai envie de jouer à Sea of Thieves, mais y'a personne qui veut jouer avec moi, c'est ça. Le refresh. Ah, oh, fuck, j'ai pogné une pub, Callis. Sacrement. J'ai quand même le refresh pour être en avance. Là, j'ai pogné une pub, c'est ça. Fait que vous êtes pas gagné à checker une pub, man. Et moi, c'est CFT, anyway, qu'est-ce qui se passe. Il y a des trésors, il y a un bateau de pirate. Ouais, il y a un pirate. Tu check le bateau de pirate. Hey, man, t'as-tu vu ça? Yo, Microsoft annonce la Switch, le gros, man. Wow! Hein? Ah ouais, c'est ça. J'ai une pub de Nintendo, ça. Là, ils sont dans le bateau. Fait alors, là, je montre de quoi pour faire la. C'est des pirates. Oh, il y a Jack Sparrow, man. Y'a fucking Jack Sparrow, il man. Il nous spoil, esti. C'est vrai qu'il y a Jack Sparrow, man. Disney. Ah ben ouais, y'a Jack Sparrow. Dans Disney crossover avec Sea of Thieves. Ça roule bien, là, mon string. Ouais, Disney, man. Jack Stone, a darkness followed him here. Tantôt, ça va être yeah! Banjo-Kazooie! Puis moi, j'aurai juste vu le compte de Rare, là. Many secrets. Jack, qu'est-ce que tu fais là? C'est ok de ton côté, gun. À date, so far, y'a rien de bien tétillant. Ah, mais il garde le best pour la fin. Le best for last, man. Tu sais qu'il va avoir Halo, là? Il va avoir les surprise release pis tout, là. Ouais, Halo, c'est ça. La piraterie! Ouais, les pirates des Caraïbes. Ouais, ben ça, il y a un partner avec Disney. Pour pouvoir amener Jack Sparrow. Ouais, c'est ça, il y a tout le temps de quoi de big, là. Ça fait juste 20 minutes, ça va être 1h30, fait que pas de stress, ça. Pour un an, il y a comme une petite affaire, je comme, ah, c'est quand même une Game Pass Day One. Why not? Bien honnête, c'est mieux que Ubisoft, là. Genre, juste à cause de ça. Ah, ben là, c'est. Pas de chance. Moi, j'aurais mieux aimé EA que Ubisoft, man. EA, là, wow, j'arrive pas, là. La pire insulte, mon gars. J'aurais aimé mieux qu'ils me présentent FIFA 2022, tu sais. Ouais, EA, ils vont montrer les fucking. Team, je sais pas quoi, là, Ultimate les cartes. Ultimate Team, ouais, pendant genre 20 minutes. Pirate's Life, c'est une sequel? What the fuck? Oh, available now! Ah, y'a un petit acte! Ah, c'est un update. Pour vrai? 22 juin, le gros. Pas now? Available now, ah, ok, tout est en avance, c'est vrai. Ah, tout est Yakuza, ouais, ça on le savait. Ils vont rajouter Like oh, a Dragon. 6. Ouais. Ouais. Oh, cool! Yozo! Nice! Il les a-tu sur PC, ça, ou c'est juste console? Game Pass, man? Ouais, ils ont sur PC, ils ont tout sur PC. Peut-être pas le 6. Ouais, Yakuza, c'est ça, good dans le Steam, man. Mais s'ils le donnent sur Game Pass, man, c'est nice. Ah! Est-ce que c'est... Je trouve ça tellement nice, Yakuza, pour vrai. Ah ouais, c'est troll. Hein. Le chef, man, qui donne... Ah ouais! Happy birthday! Aïe aïe man! Les dudes avec des couches! Today, available today man! Nintendo N, mardi là, yo man, ça va être le plus hype, c'est sûr. Ça a Game Pass? C'est-tu ça, il va y avoir sa Game Pass? DF6! Ouais, on a vu Game Pass dans le coin. Ah ouais, Battlefield? Ouais. Ouais, mon friend nous spoil là, mais. Ah, ok, ils montrent du gameplay là! Ouais, dude, imagine, penses-tu qu'ils vont mettre BF6 sur Game Pass Day 1, man? On va le savoir en avance, ça continue. Ce serait win, honesty, man. Ils sont les plus drôles avec les boss de Yakuza avec des couches. Ah, c'était une des missions, hein.
Dude, ça a l'air tellement beau, man. Je suis hype pour ce jeu-là, moi. Ah, si l'avion, moi, je vais lui péter, moi. Zelda Wen. DK Wen. La casse, il est juste out à Nintendo, man. Ça c'est cool, ils ont mis toute la série Yakuza, tu sais, ils veulent, comme je disais, ils veulent brancher, on dirait jeu japonais. Fait qui dit qu'ils vont pas annoncer Persona 5? Ah, Steph, il est hype là. Persona 5 Royal sur PC, aujourd'hui, sur Game Pass, man. C'est comme nice, oh shit, bro. Ouais, c'est genre mardi le matin, c'est comme. C'est quand même pas c'est hard de pouvoir l'écouter en direct là. Ouais, moi je travaille dans la maison mort. Yo, c'est quand même hot les buildings, j'étais quand même futuriste, hein. Non, Battlefield c'est épique, man, j'ai tellement hot là. Yo, il faudrait qu'il montre que tu puisses péter le building, mon gars, le building il destroy, man. Tombe. Mais c'est sûr que tu peux là, tu peux tout le temps péter dans Battlefield là. D'habitude, on... ah, il y a une tornade, check la tornade, man, what the fuck. Ouais, mais là c'est parce que le nouveau Battlefield c'est... Devil May Cry 5, j'ai flushé, je vais avoir... Ah, Devil May Cry 6, c'est pour elle, I guess. Parce que celui-là, c'est plus temps moderne, c'est plus ouais, World c'est... War 2. Peut-être qu'on va le voir, ce serait plus la conférence de Nintendo, si on le voit à la coste, là, ouais. Persona 5 Royal, la Switch. Petite crisse en bas du building, man. Yeah! Parachute, ouais. Ouais. What the fuck? Ça c'est bientôt hein, c'est en septembre je pense. Dans le nom. Si ça a l'air sick. Pour la refaire avec des succès. Avec ça la fusée, man! Ah c'est fou, man. Tabarnak! Ah ça a l'air sick. Yo, ah ouais ça c'est. Ah cette map là. Non, là. C'est pas sur le Game Pass. Il y a un lancer de fusée, ouais, c'est sûr, là, c'est trop big là. C'est trop big, man, pour que ça soit alors, game day one. Cher. Ah. Annapurna, c'est quoi qu'ils font eux autres déjà? Oh, c'est... Oh, ça a l'air nice, c'est genre un... Console launch exclusif. Ça veut dire qu'il est pas exclusif à Xbox, il est juste... Il va avoir un peu de mois d'avance. Interactive thriller. Oh, ça a l'air pas pire, ça. Police, you're under arrest for your father's murder 8 years ago. What's going on? Shut up! You know what this is! Je vais peut-être le stream de YouTube, parce que là, mon friend, il me spoil tout. Mon friend va arrêter de nous spoil. Là, je pense que je suis à peu près au même niveau de peu. Ça a l'air vraiment trippy. Hurry d'être late. Parce que là, t'étais comme. Oh shit, c'est quoi ça? Spikeonette, moi, il y a un écran noir. Prends la 26, la 185. Ouais. C'est ça, c'est PS2, mais il l'a pas sur PC. Hein. J'ai pas de PS2, fait que je pourrais pas jouer. Ouais, mais le gros, le Psychonauts, ça a release sur PC. Ça a sorti sur PS4. Ça a sorti sur tout. Man. Le 1, c'est le classique PS2 et le 3D Platform. Ouais, c'est ça. Game Pass. Yeah, Day 1, mon gars. Yes. Ça a dit Windows 10, right? Ah, je suis fucking down pour Psychonauts 2, Day 1. Bon. Ça, c'est une affaire qui est nice. This is usually the moment when I say hello and welcome to the Bethesda E3 showcase. We love that we can share the stage. C'est ça, j'aimerais. J'ai jamais fait les premiers. Ouais, tu peux, c'est ça, il est partout, Miss. Il l'a sur PS4 comme PS2 classique. Il l'a sur PC. Merci pour le Prime, Miss. Très gentil. Tu te relaxes comment? What? Ah, ok, tu parles à Yoshi. Parce que ma TV a gelé avec le cas, puis je prends ma Switch sur YouTube pour relaxer. Relax comment? Ce qui est étonnant. Today, check, c'est Today, ça, tu ajoutes ça. Là. Oh, mais il a déjà tout le gros, man. Les jeux de Bethesda, c'est déjà tout là, man. Tout, tout, tout.
Ben, pour dire qu'aujourd'hui, tu peux y aller puis jouer à ça si tu veux. Il y a déjà de mettre un autre tout, là, il y a tout. C'est pas comme EA où tu as besoin d'installer leur vieux launcher de merde. Ouais, c'est cave ça, man. J'étais vraiment déçu quand j'ai vu ça. Fucking EA, genre. C'est comme brush à foin as fuck, là, mais. Mais tu sais, je suis quand même content qu'il l'ait mis, là, EA Play, parce que je peux jouer à Star Wars gratis. Ben, avec la Game Pass. Ils vont re-release Skyrim, man. Encore? Skyrim Smart Fridge Edition. Je te rappelle de ça. Skyrim quoi? Smart Fridge, genre, il avait fait que tu pouvais jouer Skyrim sur... Ah, ok, tu trolls, ok. Ton fridge, non, c'était genre... J'ai vu Skyrim, genre, pis c'était écrit à 10 ans de Skyrim, pis je suis comme... Ils vont re-release encore, Carlis? Y'a pas déjà 46 remasters de jeu-là en VR? Décrocher! Ah, il parle de Fallout 76! Ouais, c'est Fallout 76, man, le masterpiece. Je pensais que tout le monde, et je l'ai même pas quand le jeu est sorti, parce que tout le monde savait que c'était de la merde. Pourquoi que tu jurais à Fallout 76 genre 3 ans après, genre? Ben, à ce qui paraît, ils ont fait plein d'updates, mais still, genre... Je hate, là, mais come on. Ah, salut, Fox Gamer, excuse. Ça va bien, toi? Je pense que j'ai mis quelqu'un. Ok, non. La musique relaxante. Doom! Ah! Il n'y a pas le premier Doom, c'est bizarre. Genre, c'est bizarre, man. Les jeux Bethesda, il y a des jeux par rapport qui manquent. Genre, il y a Evil Within 2, mais il n'y a pas le 1. Puis il y a Doom Eternal, mais il n'y a pas le 1. Ben, Doom 2006, je parle. C'est 2016. Mais il y a les anciens. Il y a Doom Eternal, puis il y a les anciens. Salut Mamadou BBC. Hey, Mamadou, il est là. Ghost Justice. Ok, move on là avec Fallout 76. Non mais tu sais, ils veulent pas avouer même que c'est un flop, tu comprends? Ils sont comme on sait qu'on a été critiqués, pis blablabla. Le microtransaction c'est de la merde, mais ils n'ont jamais été comme on avoue que un peu fail. On n'aurait pas dû faire ce petit jeu là, si on aurait dû faire Fallout 5. Mais ils continuent genre. Hein? What the hell was that? Qu'est-ce que ça? Expedition Squad Delta, report, over. Squad Delta. Ça a l'air d'être un remaster d'un jeu de PS2, là. Ouais, il est. C'est encore Fallout 76, man. Non? Non. C'est un ancien, c'est pas un ancien Fallout, ça. Je reconnais pas. Encore un esti trailer qui veut ben rien des dire. Ben, les zombies, là. Of course. Ça a l'air d'un autre Fallout, man. Welcome to the pit. State of Independence. T'as encore Fallout 76. Ah, man. C'est Fallout 76. Ah si! Moi, j'étais comme une troll en plus. Il dit ça pour. C'est Fallout 76 encore. Ben oui, que tabarnak. The Elder Scrolls Online from ZeniMax Online Studios has now Elder Scrolls Online 18 million players yeah. And shows no signs of slowing down. Right now, our players are enjoying the new chapter, part okay. Of the Gates of Oblivion, check your long adventure. Mon sac, we've got a lot more to come in ESO, including the conclusion check. To this epic story later this fall. Ah oh, mais ça sent le minou, c'est sûr, ça sent tes chums. With the release of ESO Console Enhanced this Tuesday, the game will deliver a true native experience. Oh my god, fuck off this game. Connais-tu plus fort, YouTube? Ouais, ça a l'air pas pire. Moi j'ai hâte qu'il monte Halo, là. Ouais, c'est sûr, ça va être comme leur gros titre. Ouais, mais tu sais, je m'attendais à. Il y a juste plein de studios et. C'est ouais, mais. En fait, je m'en fous de tout leur gros shit, Bethesda. Ce que je veux voir, c'est les petits indies, là. Je veux voir les indies sur Game Pass, là. Genre. Ouais. Les petits indies showcase, là. Je suis pas contre. Hey, je pensais que c'était Link pendant un instant. Yo, genre Fallout 76 pis Elder Scrolls Online optimisé pour la Xbox, c'est comme...
Salut Vlintroll! Comment ça va? Ah ouais? Je savais pas que t'étais une playeuse de MMO, Miss. Console launch exclusif. It's a new world. Oh, ça, ça a l'air chill. Je sais pas c'est quoi, mais... Winning this battle will take a new breed of fighter. Je vais vous monter un peu plus le son, là. Wait. Oh shit, c'est-tu c'est-tu genre Gang Beast, genre? Ah, c'est Gang Beast, man! Ça a l'air d'être ça? Ah, ben oui! Bro, Gang Beast 2, genre Game Pass exclusive. C'est unicorn. What the hell? Yo, c'est le meilleur jeu à date! T'as le petit jeu que t'as des toutous, des chats, des tigres qui se calissent des coups de suçon, man. Yo, c'est clairement Gang Beast, là. Ouais, ça a le jank. Tête de gorille. C'est genre le best game qu'ils ont montré so far, le gros, man. Tiens, mais bon, dès on joue, là. Ouais, man. Day one Game Pass, man. C'est que c'était drôle, ce jeu-là, man. Je sais pas si vous avez joué le monde dans le chat là, mais c'est fucking drôle jouer à ça. Ouais, c'est comme un brawler, pis avec du jank de... Comment ça s'appelait le jeu, hein? On avait joué le platformer, on avait fucking aimé. Human Fall Flat? Ouais, Human Fall Flat. Un jeu de party. Je vais correct, j'ai un petit problème qui guérit lentement. C'est quoi ton petit problème? Party Animals. Game Pass, là, gros. Day one à Game Pass. 2022, d'où là, j'étais étonné qu'il annonce. Mais il va comment? Il va l'air sur console avant. Oh, Hades! Tu hates? Ouais, Hades. Ouais, ça va sortir. Ah, sûrement, man, tout de suite, right now, c'est à Game Pass. Bro. Ouais, c'est nice, ça. Hello? Let's go! Merci pour le host, Vinaitrol. Ouais, Hades, right now, c'est à Game Pass. Je pense que c'est ça qu'ils vont annoncer. C'est quand même nice. 2022, ouais, pour le jeu de Brawler. Ouais, c'est un peu bizarre qu'ils l'ont posté le trailer aujourd'hui quand c'est en 2022. C'est la première fois que je vois ça. Un petit problème, brun. Un petit... Ah, ok, pas besoin de détails. Je te feel, man. Hey, Lee, c'est ton jeu mystère. Game Pass, hein. 13. Ah, 13, 13 août. Ok. Mais ils vont le mettre sa Game Pass. Quand même, là. Ah, c'est cool. Bon, je l'ai sur la torrent, mais bon. Ah, oh, ça, c'est mon genre de jeu. Il va te pogner la version Codex, là. Ouais. Let's go, le petit indie game, Ouais, allez, commence avec l'indie game, là. Ben, t'es content. T'en parlais, est-ce-tu? Ouais. Un vieux, ouais. En tout cas, j'aime bien le artwork, man. Codex, le clip vidéo. Ah, tu te promènes avec ton chien pis tout. Vous avez monté un peu le son, là. En tant que vous nous entendez clairement. Quand même qu'on entend les trailers pas pire, là. On dirait un inside, mais pas inside, là. Mais peut-être finalement. Ah. Moi, c'est mon genre de jeu, genre de voir c'est quoi. Ouais, mais tu sais, t'as pas le choix de. Quand t'annonces ce jeu-là, c'est comme je le sais que ça va être Game Pass Day One. Parce que c'est pas que. Oh man, Starfield Game Pass Day One, j'ai un jeu d'indie lourd, pouf. Lui, faut que tu payes. C'est comme. Pas en parler et puis faire ok, ben il est pas sa Game Pass, genre. Reste. Somerville. Tu veux Game Pass, ils ont comme. T'en parles, t'as pas le choix. Hein? 2022. Day One, c'est ça. Ah, ils l'ont wrecked avec la Game Pass pour vrai. Là. J'aime juste c'est le traverser, il traverse les ponts. This holiday marks the 20th anniversary of Xbox. Oh, Halo! And the 20th anniversary of Halo. To our millions of passionate fans, thank you. Brony, réveille-toi, c'est Halo. We wouldn't be here without all of you. Réveillez Brony, shakez-le un peu là. Has always been to bring players together. And for the first time, we're thrilled to offer our entire multiplayer experience to all players across Xbox and PC with no barriers.
Halo Infinite hey, free multiplayer to play, will be free to play, with free to play and invite more of you than ever ça, before swag, to become a Spartan hero. I'm excited to be here with Joseph Staten, the creative ouais, director ça. Of Halo Infinite. C'est le meilleur affaire de, pour Halo vendre leur affaire, c'est de montrer des jeux qui vont être à Game Pass Day 1. Ben, ils ont montré Battlefield. Gameplay. It is so great to have him back with Halo. Thank you, Bonnie. And hey, everybody. Yes, mon Brony. For us, and I hope many of you, Halo has always been about heroism and wonder. About fighting ouais, to keep humanity 40 minutes safe in, fait against impossible justement, odds Halo, in a beautiful and mysterious sci-fi world. Ouais, j'avais jamais joué. On est en train de faire la campagne. Je pense que la Game Pass, ils ont tout dans le remaster. Ils ont le Master Chief Collection, je veux dire. Ben, remaster. Hein. Ben, le monde en live, je sais que mon friend, c'était son jeu là, qu'il voulait voir. Brony, il avait hâte de voir Halo, qu'il disait. The heart of Halo is Spartan 117, the Master Chief. Master In the next Chef. Chapter of the Chief's story, you'll face his greatest challenge yet. But they're not alone in the fight. Ouais, c'est ça, mais on va pas de coup, hein. Ben, comme les autres, tu sais. We're stuck out here. Tellement, pas différent les autres dans ce sens-là. Hein? You have one bullet against an entire army. What can you do on your own? I told you. It's enough. So I see. Il manquait ça la cosse Jack Sparrow dans Sea of Thieves. Je vois ça genre dramatique comme s'il était supposé, je sais pas, dans les autres jeux, il est pas se proche de mourir, genre. Whatever, je sais pas. Je les ai pas fait. Yeah. C'est Dead Space. Un grappling hook, qu'est-ce que c'est? Non, je veux voir du gameplay, man. Where is Cortana? The rogue AI known as Cortana is gone. Ah, il parle de Cortana. Dans le Mario. By you? Of course. Space Marine, mais sans la. Architecture gothique. Don't you remember? My instructions were to enter this installation, imitate Cortana, and lock her down for retrieval. Je pense qu'après le cinématique, on montre du gameplay. Steph, quand il a vu Cortana, il était comme Chris, c'est pas l'assistant voice Microsoft. Ouais, je savais pas, man. Ouais. Ah, ouais, ça, je connais Cortana de l'assistant Microsoft de Windows. Il m'a dit, ah ouais, c'est volontaire que c'est pris le nom de. C'est un AI companion dans Halo, genre. Good. Something stopped your deletion. We need to find out why. But. This wasn't the mission. The mission's changed. They always do. Encore, are you sure? Après le trailer. Tiens, prends ma carte SD. Yo, Psychonauts 2, par exemple, des You can't have a Halo game without multiplayer. And on Xbox Series X, you'll be able to enjoy Infinite's multiplayer action at up to 120 frames per second. Finally, I'm very happy to announce that Halo Infinite's first free-to-play multiplayer season and Infinite's story-driven campaign will launch together this holiday. Metroid's bow. C'est pour... Tu as joué à Halo, mon Dieu, parce que ça n'a rien à voir avec Metroid. This holiday, man. We are unstoppable. Ouais, par rapport. Mais clairement qu'il troll là. Ouais. Oh, il aime Halo, la classe FPS. Yo, le grappling hook, mon gars, stick la snipe. Tabarnak. Oh, la Metroid, c'est pas le même genre de jeu. Yo, un coup de masse, man! Headshot! Double kill! Double kill! Let's get out, man! Ah,
Ouais, le monde du gameplay, là, je fais vas-y. La chatte metrol. Aïe, ils ont remis cette map-là, man. Let's go. Blood Gulch, man. Ordnance drop inbound. Achat de métro. The flag is ours. Capture the flag. Call at your earliest convenience. Mais là, il y a comme manqué du gameplay, mais cinématique, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est du gameplay, genre, pris dans le... Tu peux recorder ton gameplay, puis genre, te promener avec la ouais. Dans le temps, il y a du monde qui faisait des séries de ça, genre... Quand même nice qu'ils vont le mettre free-to-play, man. Ouais, man. Ben nous, je l'aurais eu parce que... Ah, on l'a eu Game Pass à Noël, ouais, c'est ça. Day one, là, gros. Very nice. Blizzard. Ah, t'es en avance, là. Ouais, comment ça, Blizzard Entertainment, là, ouais, 2021. Diablo, genre? Diablo 2? Ah ouais, Diablo 2 Remaster, ouais. Ça a du sens. Game Pass, man? Ah ouais, là, gros, man. Je sais pas, man. T'as toujours dans le temps Game Pass, là, gros, man, on paye rien, Gris! On paye le trial d'une pièce. Ben, à date, c'est tout Game Pass, qu'est-ce qu'ils ont montré à part Battlefield? Let's go, man, you aussi, j'espère. Ouais, c'est Diablo. Le 23 septembre. Ouais, c'est Diablo 2, ça. Call of Duty, Lacoste. Faites Call of Duty! Gris, man, il y a la bête, le nouveau Call of Duty! Ouais, on va lancer. Mais attends, c'est Blizzard, fait que. Peut-être pas, vu que c'est Diablo, là. Ouais, Call of Duty, ouais, c'est rendu Activision Blizzard, fait que. Chris sur Battle.net. Battle.net. Remastered Visual. 8 players! What? Oh shit, t'es en avant. Hey, 8 players, moi, ouais, c'est fucking nice, ça. Yo, 8 players! Bro, c'est fou, 8 players, man! Il faut que je refresh, parce que là, t'es en avance. But prepare to heal. Prepare to heal. Faudrait que je me trouve 8 amis. Feels bad. Le gars est comme, too bad, j'ai 0 friend. Le gars est hype pour 8 players co-op, là, il se rappelle qu'il y a 0 friend. Ah, oh, c'est pas Game Pass. Ouais, mais dude, c'est Blizzard, John. C'est Activision, ça, c'est comme. Ah, c'est A Plague Tale Innocence. Can you stop it? Je connais la voix, la vibe. A Plague Tale Innocence. Ah, il va avoir une suite, man. Nice. J'ai pas joué à ça, c'était bon, j'ai entendu. Ouais, c'est excellent. Hein. C'est l'affaire avec les rats, là, il y a plein de rats partout. Là. Ouais, ouais, pis là, en tout cas, il y a comme un plot twist plus tard, là, mais ouais. C'est comme un stealth game en général. Ouais, c'est Plague Tale. Ouais, ça c'était un genre de. J'ai reconnu tout de suite la voix, mais avec la voix. C'était genre un double A game qui est genre vraiment bien pogné. Pis. J'ai entendu parler pas mal. J'ai obviously ça, là. Ça, c'est le kid que tu sauves. Dishonored 3, ouais. Ah, c'est bon, mais sur le lit, pis il est pas très long. Ah, oh, t'as fait 1 et 2, Lacoste? Moi, j'ai Plague juste Tale, joué le 1 Dishonored. Mais on dirait Bethesda, je trouve que tous leurs jeux, genre, on dirait que les controls sont wonky, genre. Yes! À part Doom. Yes, j'ai vu qu'est-ce que je voulais, le gros, man. Day 1 Game Pass, c'est-tu. Ouais, ben c'est leur studio, ah, c'est okay, ça. Ah, ok, je savais pas si t'as rendu leur studio. Ouais. Tout leur studio, sur PS4. Ils relisent tout sur Game Pass. Ouais, ouais, aussi, je savais pas qu'ils étaient rendu. Far Cry, man! Encore?
recognize that. Il push en tabarnak ce jeu-là, Ubisoft, mon gars, man. Ça n'a pas de bon sens. When I am dead, ouais, mais c'est parce qu'ils ont dû payer cher, lui, l'acteur qui joue exactly ça. Exactly, sur plan. Hold hands. Tu peux jouer Day One avec Ubisoft Plus, man. Sure, I know just the song. Un joueur MMO, mon Yoshi. Mais pour vrai, Far Cry, c'était quand même chill, là. Genre, jouer ouais, à ouais, mais, ouais, mais si, un, tu peux tuer du monde avec ça, toi. Donc ça, il crosse le système pour payer 2 piastres par mois. Yes! I got you covered. Hey, j'ai crosse avec ça ou j'ai crosse avec Codex, l'Hero, man? c'est... mon 2 piastres. Ouais, c'est comme bizarre. On n'est pas syncé pareil. Tantôt, je suis en avant sur lui. Là, c'est lui qui est en avant sur moi. You wanna blow shit up? Juan Cortez at your service. Morgan Freeman. Non, c'est pas Morgan Freeman. Nickel Golden Freeman. Faites un refresh en avant si tu veux, c'est ça. J'ai plus du refresh pour. Parce que là. Au moins, mon friend, il est comme. Hey, là, yo, man, c'est Banjo Kazooie. Wait a second. Ou Kangaroo Bad Furday. Hey, whatever you need to get the job done, Danny. Wow, le poulet, là. Yo, tu peux les tuer avec des poulets, finalement. Nevermind, si je suis hype pour Far Cry. Far Cry 6. Oh, mais on va l'utiliser, Zelda, man. C'est moi là qui ai Far... Non, mais pour vrai, Far Cry, c'est le genre de jeu, tu sais à quoi t'attendre, mais c'est quand même le fun de jouer en. Tu peux jouer en co-op, c'est ça qui est le plus nice de ce jeu. Ben, Ubisoft, c'est comme. Ubisoft, c'est genre comme. C'est comme du sexe platonique. C'est mieux qu'avoir du. Pas de sexe, mais c'est pas excitant. Peut-être. C'est peut-être une comparaison de mal, là. C'est quoi ça? Un Q Lindy, là, est, mon Wind friend. Waker est... 2, man. On l'a perdu, man. Là. Lui, il est bandé red, là. Il veut un Indy. Yo! Ah, c'est Slime Rancher! Ah, ouais, c'est Slime Rancher. Ouais. Ça ressemble à ça. Slime Rancher 2? Ouais, genre. Moi, j'ai le premier gratis. Je vais jouer, c'est... moi, le premier. C'est quel gars, c'est Adrek, qui a fait. Ah, moi, c'est ça mon design de jeu, man. Si t'as une affaire qui suck in les bibites Q. Hey, tu crises dans une boîte. Blossom Tales, ça me dit quoi? C'est-tu un genre de Zelda-like? C'est comme la Spyro Crush, est-ce que c'est. Ouais. C'est... Avec Microsoft, t'as peut-être la chance d'avoir un Banjo ou un Conker. Blossom Tales, c'est un Zelda. Ouais, j'ai joué un peu à Blossom Tales. Je l'ai pas un Zelda. Pris, mais je sais que je l'ai déjà essayé. Ouais, mais le gros, il a son meilleur spécial en ce moment, il est genre 5 pièces. Day One, c'est Blossom Tales? Ouais. Il a son plus gros spécial en ce moment, c'est la Switch. Ça, c'est un Zelda, Zelda clone. Il est sur PC? Welcome back to Shreddageddon. Here's a new trick. Let's go! Ah, Slime Rancher 2, c'est why not? C'est ça le fun des petits jeux de même. Mais ils viennent de donner le 1, fait que là ils annoncent que le 2 va être Day 1. C'est quoi ça? C'est un jeu de snowboard. C'est 1080, man! 1080 is back! Non, 1080 c'est un IP Nintendo, mais tu sais. Ben, ça aurait pu être Nintendo, tu sais, Rare, c'était un Nintendo. Mais sur Steam. Un EX Bobosh. Ouais, Blossom Tale, il l'a sur Steam aussi. Ah, tu peux pas mettre le 1. Le 1, il est sur Game Pass d'ailleurs, là, si tu veux l'essayer. Ouais, il est sur Game Pass aussi. Dans le fond, on est juste des sellards de Game Pass depuis tantôt. Mais ça, c'est quoi? Ça pourrait être fun, mais moi, c'est parce que j'ai joué à Steep pis je trouvais que les contrôles étaient weird. Genre, mais ça, c'est quoi? C'est de qui ce jeu? T'as doute d'où t'es le seul qui a joué à Steep, man? Ben, j'ai joué pis j'ai joué genre 20 minutes, là, mais. T'étais fucking hype en plus! Oh, man!
J'ai snow war! Ça va être fou! Ça joue 20 minutes. Shredders! Shredders! SSX Streaky, hein? Non, c'est pas assez flashy pour être SSX Streaky, man. Ouais, c'est indie, là. Ah, il est pas sur PC, mais. Day One, bro! Ouais, mais il est pas sur PC, regarde. Et il est sur Cloud Gaming, d'où? Fait que sur la ouais, c'est vrai. Il va pouvoir juste à Roku. Ah, il en a pas parlé, c'est vrai, il en parle. Dude, ça, ça a l'air du best jeu à date, ça, man. T'as-tu vu ça, man? Le bonhomme avec des donuts, genre, là. What is this, bro? What the fuck, la musique? Avec le chanteur de vibe, hein? C'est quoi ça, Carlos? Dude, c'est Death Stranding 2, man. Il était annoncé à Death Stranding 2 pour vrai. Hein. C'est pas, ça, c'est pas Death Stranding ouais, 2. Ouais, mais ça a l'air fucké en tabarnak, bro. Yo, la musique, ça n'a pas rapport, mon gars. Ah, oh, tu sais à quoi ça me fait penser, genre le jeu de Bethesda, là, où t'es. C'est quoi, ah, en fait, tu parles de. Je sais de quoi tu parles. Mais j'ai pas le nom qui me vient en tête. Atomic Heart, bro, ça a l'air tellement fou, ça, man. Game Pass, hein. Yes, Game Pass. Yes, Day One Game Pass. Est-ce... Ah, tu l'as commandé pour la PS4, Slime Rancher? Nice. C'était combien, miss? C'est quoi que c'est, miss? Persona 6, non. Par rapport, t'sais. À chaque trailer, Persona 6, ça n'a aucun même lien que c'est ça, man. Tu vu, ça avec, ça en être un autre. Radio ça, Future un autre D&D, là. Ah, oh, Jet Set Radio Future, c'était fou, bro. Oh my god, j'aimerais tellement ça qu'ils refassent un jeu de même. Il y en avait des moins chers sur Amazon, mais ça coûtait plus cher de shipping. T'as-tu déjà joué okay, la cost à Jet Set Radio, man? Je l'ai, quelque part, mais je sais quoi, là. C'est un jeu dude, de rollerblade avec des cel shaded, genre. Fucked up, genre, ouais, roller skate, genre. Yo, c'était tellement amazing comme jeu. Plus cher de shipping, comment ça que tu payes de shipping, miss? En plus, c'était un Xbox, ben, non? T'as Prime. Ok, c'est Prime, c'est vrai, faut que tu payes un montant pour le shipping. Ok, ok. Ah, t'as Prime? Tu mets Subprime tantôt. Ouais, Future sur la Xbox, c'est ça, mais pourquoi ils ont abandonné ce jeu-là, man? Il aurait pu continuer d'en faire. Je comprends pas. Ouais, ça pourrait être chill, ça. Ouais, non. Ça, c'est quoi, ça? C'est comme un side-scroller. C'est un 2D pour le side-scroller, là. Ça ressemble à un jeu de... Ça ressemble à un jeu de Devolver, genre. Ouais. Ben c'est sûr que c'est Game Pass, le gars, comme je t'ai dit, ils peuvent pas faire Halo Infinite, Starfield, c'est Day One Game Pass, mais un petit indie à 10$, il faut que tu payes, genre, tu sais, c'est comme... Ah, ça, ça a l'air nice. On peut pas faire ça. Obsidian, ah ouais, c'est le jeu... Ouais, il y a des survival, whatever, ça avait comme... Ouais, il y avait eu du buzz, ce jeu-là. C'est en alpha en ce moment. Ouais, c'est ça, il y avait eu du buzz quand l'alpha est sorti. Je sais plus quoi le nom là. Ouais, je m'en souviens, Lacoste, dans ce temps-là, j'étais à Xbox. Je l'avais moi aussi. Ah, Kiki, c'est des vendeurs. Kiki est des vendeurs tiers, okay. C'est pas Amazon qui l'avait, c'est Apple Pony Salon. The Shroomman Doom Update. The Shroomman Doom Update. Survival de chez les deux les enfants, exactement. C'était tellement fou. Ouais, le jeu de course, moi tout, même, je jouais juste à Jet Set Radio. Je m'en souviens très bien. J'ai joué des heures et des heures à ça. But not those kinds. We've also got something. C'est un Unstyled avec un jeu de course dans la même boîte. Ah ouais. The Brood Mother. She's so terrifying. C'est tout le monde qui a peur des insectes, ça? You should probably turn on arachnophobia safe mode. Arachnophobia safe mode. C'est juste des blobs. Ok, ouais, pour vrai, il y a vraiment un mode pour le monde qui aime pas les araignées, what the fuck. Or never go home. Echo Unlimited, c'est pas genre une marque de vêtements. Ah, ça c'est Grounded. Nice. Ça c'est Grounded, man.
Un update le 30 juin. Among Us. Oh my god. Un update. Pourquoi il monte Among Us? Ben il l'a déjà sur Game Pass, mais c'est un update là. Yo, moi j'ai le masque de Jeff Keighley, man. Oh, miss. 15 players lobby, ok. Oh, ouais, là il y a 3. Ok, ils ont rajouté des players. Je pense que c'était 8 avant. Ouais, mais il y avait 2 imposteurs en tout cas. Ouais, je pense que c'est 8. Le petit chat vient de me faire le saut, qu'est-ce qu'il a fait? Marc Greco getting up. Non, j'ai pas joué Marc Greco getting up, je suis sûr c'est quoi. En tout cas, yo, si j'ai Among Us, moi je mets le masque de Jeff Keighley, man. Je vais avoir d'un imposteur à chaque fois, mais. 505 Games, Rabbit and Beer Studios. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, Doom Chronicle, 100 Heroes. Ah, ça c'est un jeu pour nous, ça, Miss. RPG avec des Asbendo, là. RPG, man! Ah, mais ça a pas dit PC, ça a dit Xbox Series. Nanana. Ça ressemble à. Ça ressemble à. C'est Octopath un peu, ouais, le style. Ah ouais, ouais. Chris, ils vont peut-être faire les RPG à cette heure en style Octopath, là, gros. C'est la nouvelle mode. Ben, c'est vraiment beau comme style. Ah, c'est le jeu Suikoden! Asti! C'est le jeu par le dev de Suikoden! Ce jeu-là, asti! C'est vrai! Yo, il est fucking hypé ce jeu-là! C'est le dev de Suikoden! C'est vrai! Je viens de voir le gameplay là! Ouais, you done Chronicle, ouais! Rising! Windows 10, bro! Ouais! Game Pass. Ok, il y en a un autre. 100 Heroes. Ok, il va en avoir un Day deuxième. Day one, mon Steph, man. Yes, Miss. Day one. Let's go. Ça, c'est cool, là. You have shown an aptitude for applying avec Yoshi, Cyberpunk 2080. We wish to test your abilities. That feel quand ce jeu-là, il va être meilleur que Cyberpunk. Ouais, c'est juste sur Kickstarter, ouais, c'est ça, Miss, c'est le jeu sur Kickstarter qui est l'ancien dev de Suikoden 1 et 2. Je viens de le reconnaître parce qu'elle en avait parlé, Lulun, vu que c'est une fan de ce jeu-là. DSN, 29 juillet. C'est pas trop de bon, trailers. Sont où les surprise drops qui drop aujourd'hui, là? Come on. Ça, les RPG qui sont longs, comme Persona 1. Day 1, bitch, let's go. Yeshi. History is c'est all quoi, ça? Ah, ok, tu l'as déjà backé. Ah, mais moi je suis content, je l'ai pas backé sur Kickstarter, mais je vais prendre le Day One. Lucky Stale 2 Pug. Ah, c'est vrai, il a tout annoncé ça. Super Lucky Tale, là. Ça, c'est chez Valerie, ou c'est... Non, c'est. Quoi? Age of Empire. Ah, ben oui. Oh shit, Age of Empire 4! Oh shit, je suis fucking down! Game Pass, man! Day 1! Yo, tout tes Day 1 Game Pass à pas Battlefield, pour vrai. Pour peur? What will you be remembered for? Ouais, ils sont sûrs que c'est vendu. Ah, oh, Jeanne d'Arc! Vas-y, Jeanne d'Arc. Ah, oh, c'est Jeff Empire, le gros, man. T'as raison, hein? J'avais Jeff Empire, ça. Rise to the Ages. Ouais. Yo, Jeff Empire 4, Day 1 Game Pass. Ben, c'est sûr, c'est un studio de Microsoft. Make history your stars. Ouais, Jeff Empire 4, le gros, yes. C'est un classique, Jeff Empire 2, là. Pour PC. Ouais, mais Fable, ça a été cancellé, man. Fucking Fable, nice, ça a été cancellé. Lacoste, c'est chiant, là, mais ils l'ont cancellé, me semble. Ouais, Jeff Empire 2, j'ai bien aimé ça, Miss. Moi, là, Age of Empire, là, je me rappelle que tu peux mettre des cheat codes pour faire spawner des Lamborghini. J'ai commandé Ducky Ducky de Richard Club sur ma Switch. Nice.
peaceful city. Ah, ok, tu, quand tu verras ton cache, je vais te Now, something must break the serenity. Ouais, Fable, Ça a été cancellé, Fable, man. Rip, man. No, say goodbye to it forever. Suddenly, and for no reason. Bon, c'est ça va là, ça va là, nice, de qui Literature Club. C'est genre M-rated, fait que... Genre des cute waifu, mais y a un... C'est des killers, dans le fond, hein, c'est quoi. That war sound can mean only one thing. We must gaze over the trailer, the trailer, the world. And there shall be lens flares. No Man's Sky 2. Tous les jeux, c'est No Man's Sky, genre. Il y a un vaisseau. Oh shit, No Man's Sky! But only the silhouette. Pour vrai, c'est No Man's Sky 2, check bien, là. Or finished the design. Or finished the story. Or finished any gameplay that's actually ready to show. Actually ready to show, yo, t'as raison, je pense que c'est ça, man. Je pense qu'il y a no joke, c'est ça. Is the title. Huh? The Outer Worlds. Ah, The Outer Worlds. Déjà? Dur. Oh, ok, ok, Outer Worlds dur. Damn. Alright. Ouais, c'est sûr. C'est tout Day One Game Pass à part Battlefield. Come on, je veux les surprise drops qui drop aujourd'hui, man. Ben, ok, va-tu veux dire aujourd'hui, ouais. Console exclusif. Pas patient, moi, là. Quand je veux un console exclusif, je dis, ah, j'espère que c'est un jeu que je don't care. C'est pas genre fucking Flight Simulator. Ouais, Flight Simulator. Non, Flight Simulator en ce moment, il est genre exclusif PC, fait que je pense pas que ce serait ça. Ben! Ok, I peut-être, man! Ah, là, tu sais, man! Mais pourquoi console exclusive? GTA 6! Tu vois, c'est GTA. C'est GTA 6, man! Dude, ça a l'air tellement beau, man! Oh my god, looks so ouais, pretty! C'est... Ouais, c'est beau. Tellement bien fait. T'as parlé de DLC, tout le monde s'est calmé. Mais je voulais le pogner, moi, Flight Simulator, mais ça roule comme de la tombe, là. C'est un PC de la mort, là. Genre, oh shit, Rockstar, c'est capable de faire des nouveaux jeux, man. Non, moi, Bully 2, mon gars, si je capote. Bully 2, ouais, oui. Ça serait insane. GTA 6 Xbox exclusif, ouais. Imagine. Mais non, à la place, ils vont release GTA 5 à sa PS5, man. Again. Microsoft Flight Simulator. Ah, c'est ça, ça s'en va sur Xbox, man. Ouais. Mais ah, oh, même pas sur le fucking streaming cloud, man. 27G. Ah ben c'est ça, ils vont... Ouais, les 20 minutes qui restent, ils vont sûrement en parler. Ah, ils ont déjà parlé pour ça peut-être les quelques jours avant. Pour pas avoir à en parler là, ils vont juste parler des jeux, genre. Puis ouais, ils vont en parler. Ah, non, moi je pense qu'ils vont en parler un peu. Hein. Bonne one last thing! Non, ça c'est Nintendo qui font ça, man. Ah, ils vont le faire à la fin. Free expansion. Top Gun Maverick. C'est genre des avions d'armée, là, genre. Xbox Game Studios present Xbox console exclusive. Man, ils sont chiants avec leur console. Ok, console exclusive. Exclusive, ça veut dire qu'il peut l'avoir sur PC, mais il sera pas sur la PS5, ça veut dire. Ça veut dire. Ben, comme. Ok, le wording, ça veut pas dire, ah, il sera pas sur PC. Ça veut juste dire que Sony l'aura pas. On nous fait chier avec des DLC de Smash encore. Ben c'est ça qu'ils vont annoncer un perso. Forza. Ouais, Forza Horizon 5. J'ai aucun Forza. Man. C'est des bons jeux pour vrai, même Forza Horizon, là. Genre, ça nique Need for Speed. Là. Mario Kart, ouais, avec Mario Kart 8 DLC à la place de faire un nouveau Mario Kart.
C'est fini, man, ils feront plus de nouveau Mario Kart. Non, Mario Kart, ils devraient faire un Mario Kart comme le Super Smash. Mario Kart Ultimate qui inclut toutes les... Toutes les tracks de toutes les Mario Kart, man. Ouais, pour ça, là, c'est vraiment un bon jeu. Là, t'as juste des circuits avec des remasters de toutes les autres, même tu fais juste un Mario Kart Ultimate. De toutes les si t'aimes les jeux de course, là, tu vas vraiment aimer ça, pour ça. Je sais même pas, tu vois, je sais même pas si t'es rendu à Horizon 5. Tu peux l'essayer, man. Il y a 9-9 ans, ouais. Home Circuit, lol! La gosse. I'm Mike Brown, creative director at Playground Games. C'est le jeu avec les petits chants et les guillemets. What we've been working on. Horizon is known for fun, freedom, and beauty. This year, the Horizon Festival arrives in beautiful, diverse Mexico. This is the largest and most diverse open world ever in a Forza Horizon game. And there is no better car to explore it than the stunning AMG Project One Forza Edition. Rendered in unparalleled detail and with ray tracing in Forza Vista, thanks to the power of the Xbox Series consoles. Ils disent qu'ils ont plein de jeux, mais ils font pas de conférence. I've invited along some of the team to help give you a taste of some of the amazing content that's waiting for you in Forza Horizon 5. Ils croient au-dessus de tout parce qu'ils vendent plus de consoles. Ils sont comme, nous, on n'a plus besoin de faire... Quand ils sont ahead, ils sont cockés, quand ils sont behind, ben... Hey, everyone! Hey, what's up, Mike? Toutes les compagnies font ça. And we also have Abraham with us as well. Ah, mais c'est des canons. He's one of the talented actors who will be appearing in the game. Le gars, il est full Sony 8 avec sa PlayStation 5. I can't wait to show you what he's been working on. We begin in the rainforest on an expedition. This is a new campaign mode in which you set out on an adventurous journey across Mexico to explore new locations and discover places for the festival to expand. I'm on the river now. We're getting close. T'sais, toutes les Need for Speed Open World, genre, c'est comme... C'est Open World, là, Forza. Ben, Forza Horizon, ouais. OK, Horizon. C'est la même chose de Forza, normal, puis Horizon, c'est genre le spin-off. Ah, ben, je pense qu'il y a mieux qu'il va faire une spéciale dans le mois prochain. Ils vont essayer de séparer des news du E3, genre. Ça va être ce jeu de course. That's a peek at our adventurous campaign. But Forza Horizon has always been a game that's best enjoyed with others. Is that the graphical downgrade? Let's go and see what some of our other players are up to. The Xbox Series consoles allow us to capture every last detail, right down to the individual needles on these Choya cactus. The scene looks real. Wow, but there are no tricks. This is in-game. Maddie is behind the wheel of the AMG Project One Forza Edition in Mexico's lush living desert. The perfect place to meet up with friends and head out for a drive. Thanks to the next generation of our Horizon Live servers, everyone else can see here are real players. And it looks like Maddie has been joined by some other members of the Forza ceiling, team. Puis ça shield the raid. Our stream being quite pixely. Let's leave Maddie for a moment and head out to the coast and meet Don. Post battle. Don is already on the move, exploring this idyllic seaside town. This is a recreation of Mexico that is honest, authentic, and filled with love. Ben oui, parce qu'au Mexico, dans le petit village, j'ai connu que tout le monde a des Lamborghini. Bah ouais, non? This is a mural by Mexican artist Farid Rueda. Just one of the many beautiful, faithful pieces of Mexico you'll find all over Forza Horizon 5. Moi, là, j'ai tout le temps voulu qu'il fasse un fucking open world. Passe genre à Montréal. While Don drives down to the beach, we'll jump over to the Gran Caldera volcano. Check out this geology detail, implemented with precision accuracy using photogrammetry data captured on location atop an active Mexican volcano. The entire world has been recreated at this level of detail. And here's Sierra, in her favorite off-road buggy. The volcano Sierra and friends are exploring is the highest point ever in a Horizon game. And thanks to the power of the Xbox Series consoles, from up here we can see for miles in every direction. In the distance, we can just about make out Guanajuato. Let's take a closer look. Guanajuato is one of the most beautiful cities anywhere in the world.
It's a colorful, undulating city full of vibrant architecture. J'avais comme refresh pour te rattraper, même ça m'a eu la pub de Nintendo. And these twisting, turning, overlapping streets. I mean, as well as looking good, it plays great too. As we see here, as Dawn is challenged in Horizon's open world battle royale, the Eliminator. Il y a un battle royale mode. While Dawn tries to win that race, the rest of our players are still out exploring this diverse open world. Surtout que let's head north to the canyon. The Horizon series is known for its uplifting beauty, and using our unique HDR camera rig, we captured 24-hour shoots of real Mexican skies at 12K resolution. J'ai hâte à Nintendo, and thanks to the Xbox Series consoles, these photorealistic skies result in lifelike lighting that dynamically changes every frame, making you feel like you're really there. Zelda year, man. Don't come. Here's Maggie again. She's joined by Abraham HD, and some other members of the team. Fucking do our it. Players are using intelligently tracks the status of you and the people you meet online, and then helps you link up and play together. Ça va vite, mon gars, man. We'll now head deep into the rainforest and rejoin Bill and the rest of our players. Here we see our new volumetric lighting system filling the scene with god rays as the sunlight dapples through the dense rainforest. A Horizon arcade minigame is about to start. En fait, ouais, ça, puis moi, je veux que ça soit Wii U, fait que. So it intelligently prompts Sierra to ouais, buy a build. C'est déjà été fait, remastered, ça Wii U, linked together with their GPS route set. With that Horizon arcade minigame starting soon, all of our players arcade are underground, man. This minigame is called Signaled by the Horizon cargo plane dropping a payload of piñatas. Ooh, over this way. Gotta catch up to you guys. Our players now have to work hey, together to find and pop as many as they can. Okay, go up here to the left. Ouais, sûr, là, c'est le competitor à Grand Theft Auto. Ah non, mais du temps pour dire, voici un nouveau jeu, ouais. Ça, il y a tous les jeux, c'était comme Quick Succession. J'en parlais genre 2 minutes. Et Forza, ça fait genre 10 minutes. Hein. One more thing to show you. One more thing. Hey, un jeu de bowling, c'est ça. This is Event Lab, the incredible new toolset that allows you to create your own yo, races, pas qu'il y avait du game bowling modes, dans and gameplay Forza, experiences. Non, you c'est un create, tu peux, right down the user to the fundamental rules des... of the game. Ah, ok. Ouais. Ben là, c'est pas si pire que Just Horizon Dance. 5 is the largest, most Dance. Fun, and most beautiful open world we've ever built. Le rec, la gosse avec ça, il était malaisé à mes petits hiers. When it comes to Xbox Game Pass this November 9th. Thank you so much. I'll see you all in Mexico later this year. Yo, parlant de Just Dance, mon gars, je faisais... J'étais là, je faisais juste parler parce que comme... Je fais DMCA, c'est clair. GG, mon Team Xbox channel. Is on a mission to bring the joint bon, community of gaming to everyone last. On the planet. That's why you, the genre, gamer, si tu veux dance, are the center tu veux just of everything dance, we do. Pas besoin d'un jeu, today, just, we showed you 30 dance. Games. 27 of them will be available on Xbox Game Pass. Now, through the end of the year, you can look forward to back-to-back monthly releases landing day one on Game Pass. Led but by one five more thing today. Xbox Game Studios, c'est juste genre as well like a dragon qui pour Game Pass Battlefield. Like Back for Blood. Oui, oui, like a dragon, il a juste and as we look ahead to next Game Pass? Year, I'm inspired ouais. By the creativity nice. Of Bethesda. Il y a and déjà Xbox les autres, là il ajoute like a dragon. Ouais, Dragon 2 va pas montrer, c'est ça. Highly anticipated RPG Starfield. J'essaie de checker et voir coming si exclusively to Xbox. But we also have some of the industry's ça, best RPG storytellers les jeux que j'avais comme working pas vu. On Avowed, Fable, Fable, The hey, Elder Scrolls Fable. Online, Fallout 76, The Outer Worlds 2, and Elder Scrolls 6. Le plus hype, c'est le we jeu de Suikoden qui est Day 1, qui est peut-être qu'on a deux. World's most beloved shooter in Halo et Infinite. Halo, genre. Adding to the roster of iconic Xbox shooters, qui fait un tutoriel pour payer deux pièces à faire finalement, ouais, c'est ça. Gears of War, je vais vous montrer. Perfect Dark, non, mais and Doom. J'ai rien fait pour vrai. Il me donne tout le temps l'offre, je sais pas pourquoi. Il m'a donné pas au début, puis après, genre une semaine, il m'a donné. Bringing you a vibrant and authentic depiction of Mexico. Quand je l'ai pas eu, j'ai fait la crosse de me connecter sur un autre compte. Mais oui, c'est 10 piastres par mois. Ah, c'est ça. Our growing family of 23 studios is devoted to advancing the medium we all love. Xbox has been here for 20 years. Xbox? And that's because of you.
our team strives to make Xbox a place where you'll find the greatest games, the most dedicated developers, and the most passionate community. Together, we all make Xbox the best place to play. Before I go, there's one more thing, bro. Take a look at this brand new original game from the Arkane team at Bethesda. The studio that created Prey. We got one more world immersive shooter that you can play alone or with your friends. And like Starfield, this game will be an Xbox exclusive. Eh ben c'est un jeu de Bethesda. C'est peut-être Dishonored 3, man? Lacoste? Ah, c'est Deathloop, man. Ah, ouais? C'est ça, faut One Last, man. Ça m'a Je pense que c'est Deathloop, man. Ben, c'est Bethesda, Deathloop, ou... Ouais. Arkane. Austin, ouais, qui ça, c'est les devs de... Deathloop. Ok, c'est pas Stealth en tout cas, c'est Dishonored, là. Non, je pense que c'est peut-être Deathloop pour vrai. Ah, mais on a déjà vu ce jeu-là, man. C'est quoi, c'est One Last? C'est un cinématique trailer, genre. Just kidding, c'était pas le One Last. Il y a rien comme l'apocalypse pour bien s'épanouir dans son originalité, eh? Ouais. Il y a des vampires, man! Ils font pas assez de jeux de zombies pis tout, hein? D'apocalypse. Oh, they got into shit. What is the problem, Adel? In the field, in Redfall, Massachusetts. Behind me, we are witnessing... Ah ouais, t'es hype par jeu, là? Cult activity, as the locals engage... Trop de zombies, je fais la grève de zombies. Okay. Was worth it. Pas mal sûr. T'as pas de Dying Light 2 pour toi, Rainfall? Comme One Last, c'est décevant, man. Oh, mais y'a juste là pour toi, Lacoste, qu'il a été bandé pour un Super Lucky Tale 2, man, comme One Last. T'aurais fait tard, Microsoft Win. Yo, moi je voulais mon surprise drop là, genre. Oh, y'a pas eu de jeu qui est comme vraiment live right now. Mais c'est plus Nintendo qui font ça, genre. Yo, Nintendo surprise drop Zelda, man. Juste sans Zelda, man. Ça, je vais win, man. Yo, ils vont break the internet s'ils font ça, genre. Ocarina of Time Remastered. Ouais, 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 surprise drop. Outy, man. C'est quoi ce petit One Last là, man? Je suis dessus, moi. Non, moi aussi, je m'en calisse de Breath of the Wild, là, cause c'est toutes les autres Zelda que j'aime, genre. Breath of the Wild, c'est du caca. Bon. La casse est contente, là, il y a un petit partner, là, de partner hater de Breath of the Wild. Genre, toutes les Zelda étaient meilleures que ça, là. Wow, et que j'avais pas si Phantom Hourglass pis Spirit Track. Yo, Breath of the Wild, là, c'est genre, c'est comme si Zelda avait dit « Oh, on va faire comme Ubisoft, on va mettre des towers, genre, pis tu vas devoir climber les towers. » Ouais, mais il y aura pas d'histoire. Les affaires que tu peux faire dans le jeu là, là, les affaires que tu peux mixer, puis les affaires que tu peux faire, man, c'est insane. Ouais, mais je sais pas, ils ont perdu le cœur de Zelda. Tu sais les donjons là, les donjons étaient bad, bro. Surtout Zelda 2. Les temples là, les beasts, genre là, il y avait aucun thème, genre. Ah, mais je te dis, peut-être dans Wild 2, il va y avoir des temples là. Je te dis qu'il va y avoir des vrais donjons.
Il n'y avait pas d'histoire. Fallait que t'ailles prendre des photos pour avoir l'histoire. Genre, what the fuck is that, man? Je te dis, peut-être avoir deux, vont avoir des. Ah, ils vont peut-être fixer ça dans Breath of the Wild 2, comme tu dis, là, mais... c'est pas Deadloop, mais... c'est pas mais c'est quoi, ce petit jeu-là, man? Deadloop, c'était comme cartoon, genre. Deadloop, c'était comme un cartoon plus... rugby. C'est Redfall, man. Summer 2022. C'est genre zombie Deadloop, genre... Fortnite... C'est un... je sais pas, un jeu... 4-player co-op, man. On va dire que c'est comme Back 4 Blood. Hein. Un jeu de 4 players en big game. Ouais. Je don't care pour vrai. Mais un peu cool. Et on va faire une couple d'affaires. On va voir si c'était correct là. Comme nous, il y a Diablo 2, pis c'est quoi qui est pas Day 1? Diablo 2 Battlefield. Ouais, elle oublie, un peu déçu, mais on dirait, moi, à chaque année que j'écoute le 3, je me dis tout le temps ça. Genre, ouais. À chaque fois que je check une conférence, je suis comme, oh ben okay. Ouais, c'était fou. Outer Worlds 2, c'est cool, mais j'ai pas encore joué au premier, pis Age of Empires 4, c'est Pog, là. C'est nice. Yo, Battlefield, man. Slime Rancher 2, man. Gang Beast Fury Edition. Ah ouais, ça, le Fury Edition. Ah, le jeu de... Ah, ça, c'est mon... le plus hype, là, c'est le jeu d'RPG, là. C'est le de Squadron. Les amis... Il manque des amis des démons, Yoshi. Ah, pis Psycho Note, ça a l'air nice aussi. Ah, ça aussi, hein. Il y a du stock. Ça aussi, ça avait l'air funky là. Il y a du stock, mais en termes de surprise. C'est une affaire funky là, genre, je sais plus c'est quoi le nom. Il y a du bon stock qui s'en vient, mais en termes de surprise, je parle, c'était pas. J'attendais à plus quand même. C'est quand même correct. Ah, le Plague Tale, c'est vrai, ouais. Ah, il y a du bon stock qui s'en vient. Starfield, blah. 4 jeux qui m'intéressent, pis y'en a quand même pas montré le trailer. Ah, ok, ça arrête de même. which block? YouTube, alright, I'm ready. Oh, I'm ready. What? Il sait pas qu'il est. Hein? Je sais pas si c'est un troll ou il sait pas qu'il est en live. Wow, whether you are a Series X or Series X owner, or Game Pass fan, or just here. Le gars, il est comme. Wow, pas d'émotion, il est comme. Wow. There is a lot to be excited about. Let's discuss. I'm Ryan McCaffrey. This is a. Il fait excité, mais il est clairement pas excité dans sa face. Non, ça va être Nintendo qui vont tout clutch encore là avec fucking Zelda, man.